Bonjour. Foutez-moi la paix! D'accord. Je peux? Je connais ce tableau. C'est Renoir, non? Les Français. Il me semble. Excusez-moi. J'étais encore dans les vapes, j'ai pas réalisé. Il n'y a pas de mal. C'est l'ambassade qui vous envoie? En quelque sorte, oui. Je parle pas du tout allemand. Ils ont pas voulu me laisser partir, je me suis un peu énervé. Vous pouvez pas partir? Pourquoi? Vous n'avez pas fini votre puzzle? Il préfère vous garder encore un peu. Par sécurité. Mais j'ai rien, juste quelques égratignures. Vaut mieux pas prendre de risques. Ils ont fermé la chambre à clé. Ah bon? Vous trouvez ça normal, vous? Pourquoi ils ont fait ça? C'est évident, non? Pourquoi, alors? Pour vous empêcher de partir. C'était pas rien, votre accident. Le choc a dû être violent, vous avez eu beaucoup de chance. Si on veut. Qu'est-ce que vous voulez dire? À la vitesse où vous rouliez, ça aurait pu être dramatique. Vous n'avez rien à me demander? À quel sujet? L'accident. Où est ma voiture? Il n'en reste pas grand-chose, vous savez. Ah, c'est emmerdant, ça. Vous vous en souvenez de l'accident? Non. Vous savez pas ce qui s'est passé? Non. Mais enfin, vous vous demandez pas s'il y a eu d'autres victimes? Comment ça, victimes? Dans l'accident. Non, j'y avais pas pensé. Et ça vous intéresse pas? Quoi, il y avait d'autres gens dans cet accident? Non. Bah alors? Vous auriez très bien pu tuer quelqu'un. Vous n'en avez aucun souvenir? Aucun. Il y a un témoin. Un camionneur. Il vous a vu sortir de la route. Il dit que vous avez accéléré tout d'un coup, vous avez donné un coup brusque sur le volant, vous êtes rentré dans le mur. Il pense que vous avez dû vous endormir, puis vous réveiller en sursaut. Oui, ça doit être ça. Vous rouliez depuis longtemps? Sans doute. Vous alliez où? En Bavière. Ah bon? Vous y alliez ou vous en reveniez? J'y allais. Quand vous avez eu l'accident? Quand j'ai eu l'accident. Vous êtes sûr? Vous avez oublié l'accident, vous avez peut-être oublié la Bavière aussi, non? Ça s'oublie pas, la Bavière. Vous vous en souvenez? Non. Vous alliez où exactement? À Eggenfelden. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à Eggenfelden? Rien. Quelqu'un vous attendait? Il y a quelqu'un que je devrais prévenir? Non, personne ne m'attendait. Vous êtes en vacances? Ouais, c'est ça. C'est joli la Bavière. Vous connaissez? Un peu. Vous y êtes déjà allé alors? Il y a longtemps. À Eggenfelden? Oui. C'est comment? C'est un trou. Vous êtes venu directement de Saint-Étienne?
Non, je suis passé par Paris, j'avais quelqu'un à voir. Vous avez pris l'autoroute ou la nationale? Comment vous savez que je venais de Saint-Étienne? La voiture. Il y avait le nom du garage sur la vitre arrière. Vous l'avez vue, vous, la voiture? Qui êtes-vous? C'est joli, la Bavière. Mais c'est loin. Vous avez dû vous arrêter en chemin. Vous n'avez pas fait tout le voyage depuis Paris d'un seul trait. Non, j'ai pris mon temps. Je me suis arrêté dans des villages. Ah oui, c'est ça. Vous étiez en vacances. Vous aviez tout votre temps. Vous êtes passé par où? Je suis sorti de l'autoroute à Metz, puis j'ai pris les petites routes. Je me suis baladé un peu en Alsace. Il y a de très jolis villages par là. Je connais bien. Où est-ce que vous vous êtes arrêté? Je me souviens pas. J'avais pas vraiment la tête à ça. Ah. Les ennuis? Ouais. Et pourquoi vous alliez en Bavière? Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis là pour vous aider. J'ai pas besoin d'aide, je veux juste qu'on me laisse partir. Ils ont rien à me reprocher, ils ont qu'à me laisser partir. Qu'est-ce qu'ils pourraient vous reprocher? Rien. Ils ont pas le droit de m'empêcher de partir. Si? Je sais pas. Je devrais peut-être porter plainte. Vous croyez que je peux porter plainte? Je vous le conseille pas. J'ai rien fait, j'ai juste eu un accident de voiture. J'ai fait de mal à personne, à part moi. Voilà qui me traite comme un criminel. On est en Allemagne, ils rigolent pas avec le code de la route ici. Mais là, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'autre chose. Vous le savez bien.